États-Unis ont un nouveau ambassadeur en Haïti. C'est après décision, après Sénat a voté Monsieur Dennis Hawkins comme nouveau ambassadeur et américain en Haïti. Donc Sénat a voté avec 89 voix pour et une voix contre. Alors, on a dit nouveau ambassadeur, il parle d'une grosse mission là, la première position ça, mais une nomination ça arrive dans le moment que Haïti a traversé une crise vraiment très difficile, côté gang armé, contrôlé plus fort dans la capitale là. Et Haïti a traversé une crise tout côté par un gouvernement qui est en place pour qu'on y ait là. Et nous rappelons que il y a un pile débat qui a fait qu'on y ait là pour être sûr qu'on mette un conseil présidentiel qui a bien là dans 7 membres avec 2 autres membres qui n'ont pas de pouvoir de vote. En attendant que ça fête, parti concerné au TDO, acteur concerné TDO, il fait choix et vous présentez un conseil présidentiel ça, mais pour délai qui était fixé pour sa défaite là, délai a passé sans que tout le monde pas en place. Donc, il y a un parti politique qui désigne le représentant, il y a l'autre tout qui pas fait et gain qui tout simplement dit yo pas là-dedans du tout. Ça qui complique un petit peu la situation. Parce que, d'après les nouvelles, il dit que CARICOM, avec l'autre pays dans la communauté internationale, t'es prévoit un plan B, si au cas, t'es un monde, ou bien, on entité, t'es capable de décider par vrai monde, ou bien, si monde que t'es désigné, pour venir dans, et conseil ça, les pas rempli conditions qui fixent. Donc, c'est la nuit jusqu'à présent. Donc, il y a une traction qui continue tout le fait quand même. Un CARICOM, normalement, ou techniquement, pour qu'on dise rien officiellement, si vous non recevoir et qui décide la pensée de recevoir. C'est la question qu'on a posée, qu'on a, c'est installation, conseil ça. Qui va l'installer? Qui est-ce qui va l'installer? Parce que, d'après la Constitution, il y a de prédécessement devant Cour cassation. Donc, et parce que mon qui dit c'est premier ministre Ayelan, il peut avoir bah, investiture, le premier ministre Ayelan, il empêche, même s'il est missionnaire, mais il empêche tout, il est à l'étranger. Et quand il y a quelques points tout, est-ce que c'est pas le premier ministre AIA, dans parler de M. Patrick Boisvert lui-même, qui prendre une décision pour désigner, ou encore pour nommer, et pour prendre des quelques et officialiser le conseil de présidentiel ça. Donc, c'est là. Après nomination, ça, il y a l'autre nouvelle, Kenya, qu'on y a États-Unis pour un souffle, après Kenya, ben, garanti que, effectivement, il peut aller dans la mission, la peut-être mission, et police là, qui peut aller, et des polices nationales là, combattre gang yo. Après, mais, les conditions n'ont pas changé, tout autant, pas gagné un conseil présidentiel qui est installé avec un gouvernement. Il dit pas qu'on peut aller. Donc, il dit, une fois que ça fait, eh ben, la pointe est sur ça. Pression l'argent qui est en jeu, bon, pas grand qui dit jusqu'à présent si tout l'argent qui était pour mettre, c'est l'argent, ça va prendre place. Parce que Kenya, non, premier temps, t'es posé condition tout, parce que dit, pas déplacer. Si l'argent qui était pour mettre pour force ça, pas disponible. En tout cas, il y a tout entre temps, il y a une disposition qu'à prendre, vu que volatilité des situations dans le pays, mais ambassadio, en particulier les États-Unis, il y a l'Union Européenne, il y a l'Allemagne, et bien, pays ça, il y a déjà déployé, ou bien encore commencé à évacuer, ou bien continuer à évacuer personnel non essentiel, yo, en Haïti, pour très certainement pour mener en République Dominicaine, qui c'est pays plus près à, qui plus facile pour eux. Mais, Gambin, vous comprenez, l'évacuation, ça l'a fait à partir de l'autre côté, non. L'évacuation fait à, dans le débattement, l'ouest, là même, parce que c'est là qui plus, par exemple, Port-au-Prince, dit approximativement à 45 une heure de temps, de capitale là, à Jimani, qui c'est peut-être ville frontalière qui pipe et pipe Port-au-Prince. Donc, au lieu que y a pas qu'à monter juste dans le nord, parce que ça prend 4 à 5 heures de temps, donc, il a fait comme ça. Donc, mais pas grand chiffre qui sorti, non plus, tout pas même, un journaliste, même, qui a présenté un peu de temps, qui a pris, et vidéo, enregistré vidéo pour t'a montrer qu'on voit ça, mais qui semble qu'on voit tout, y a pas fait bonnet, c'est un an du tout fait. Donc, mais, déploiement ça l'a fait, justement, pour pallier à la situation, parce que, mais, il y a un pays qui dit, il y a retiré citoyens, mais pas gagné exactement effectif qui quantité monde qui l'a. Les États-Unis disent lui-même, il déjà gagné en place tout, Mérigno, qui pour garantir, ou bien, bail, ambassade là, garantir sécurité ambassade là, justement, on connaît que gang déjà eux-mêmes, il y a frappé de temps en temps chaque côté, hier soir encore, il y a un paquet de six frappés dans plusieurs quartiers dans la capitale là, surtout dans la zone qui est dans l'ambassade là, et même police nationale là tout. Donc,
et mais nouvelle pas bail et est-ce que monde qui mouri qui quand c'est dégâts qui fait et dans quelles circonstances tirer ça yo t'a fait donc gain tout et tu gain quelque cos qui normalement qui c'est une zone où c'est des privilégiés pour haïtiens qui peut aller cap prendre bateau pour aller l'autre bord de l'eau ou bien pour qui peut aller dans l'île dans Caraïbes là mais tu gain quelque cos avait annoncé qu'il prend des mesures justement pour et sécurité pour limiter ou bien encore pour contrôler poids surtout pour limiter quantité monde ou bien bateau qui capable et monde qui capable quand tu viens tu quelque cos parce que pas gain vol actuellement. Et les États-Unis disent envisager possibilité pour ta même ouvert et Guantanamo base militaire Guantanamo si au cas ta gon flux haïtien qui t'a couru qui des pays qui t'a prend bateau puis t'a mettre tête pour États-Unis donc États-Unis dit que pas écarté possibilité pour ta l'ouvrir base pour ta mettre monde ça que t'a saisi prendre en la mer et t'a mettre là parce que question immigration gain tout gouverneur état Floride là et DeSantis lui-même tout lui mobiliser et force police ou bien encore force navale dans état Floride justement pour contrôler et frontières maritimes là pour justement bloquer tout le monde qui t'avait fait tentative pour essayer d'arriver sur côte état Floride. Donc autant de dispositions que crise dans le pays d'Haïti que Liban et pays voisins avec le République dominicaine renforcer les sécurité tout lui-même tout lui déjà mettait tout et déployé ministère défense activité frontière dernièrement et bien même déployé une grosse présence militaire dans zone justement pour contrôler frontières. En 2015, par exemple, déportation a continué. Donc, ils continuent à boire, ils sortent, mais ils ne pas entrer. Ils ne pas entrer. Et en 2015, parce que les frontières, techniquement, officiellement, les fermées, mais excepté que pour les gens qui sont seulement, c'est soit à déporter, ou bien si vous-même vous décidez de retourner dans le pays volontairement, ou bien, quelque soit la raison, ou qu'à sortir en 2015, ils ne sont pas capables de retourner. En République dominicaine, de toute l'ambassade là, même pas, visa, même, donc, il y a des gens qui me bloquent. Pour Haïti qui bloque en Haïti, c'est même pas là tout, qui pas qu'à entrer en Haïti, qui pas qu'à quitter Haïti pour entrer, soit aux États-Unis, Canada, ou bien dans l'autre pays. Et tout comme tout, il y a des Haïtiens tout, qui t'arrivent à aller en Haïti pour quelque soit raison, soit parce que mon famille qui mourit, ou bien qui t'allait en vacances et qui bloque eux même, ils pas qu'à entrer en Haïti parce qu'il n'y a pas aucun moyen pour ça faire. Et puis, nous disons que vol aérien jusqu'à présent pour confirmer. Pour toute semaine ça, en tout cas, nous connaissons pas un vol qui confirmé pour semaine ça. Donc, encore une fois, et pas gagné. Et raison qui fait que compagnie aérienne n'a pas fait voyage en Haïti, c'est parce que compagnie assurance, yo, dit, yo, yo pas responsable si on va arriver, yo, yo pas dédommagé, yo, yo pas payé rien. Donc, pour raison ça, yo campé, yo dit, yo pas en Haïti, tout autant que situation pas retenue non normale. Et que compagnie assurance garantit qu'on y a, yo capable aller en Haïti et puis gain Royal Caribbean Cruise qui sont gros coups pour et population nan nord surtout artisan yo et ben Royal Caribbean Cruise Line annoncé les campus croisière qui t'a parlé dans la bâtie pour qu'on y a là en attendant que situation retourne normal m'a répondu pour nous Royal Cruise Line, eh bien, il a annoncé que ils font camper sous croisière qui est pas là qui connaît en Haïti chaque semaine yo, eh bien, ils camper qu'on y a là en attendant situation de retourner normal. Son gros coulier pour surtout artisan yo, mon cap vend tableau et produits artisanal qui fait qu'on rentre là et certainement quantité d'emploi que et Royal Caribbean Cruise a créé dans noir et bien pour qu'on y a ça les font tirer avec qu'on y a là et puis l'autre bain m'a gagné une patate avec nous donc c'est ça c'est un puis gagné colonel ancien colonel lumière et but qui fait partie en alliance mais lui-même lui explique raison qu'il pas croit que et a fait conseil président c'est ça il prend le marché il prend le travail vu difficulté et puis Guy Philippe donc on est qui fait partie d'une alliance tout ensemble avec ancien sénateur Maurice Jean-Charles qui c'est tout le député de Saline lui-même tout il a rejeté Guy Philippe ensemble avec ancien sénateur Maurice Jean-Charles qui c'est le député de Saline et ben il a rejeté avec une revers de main et conseil présidentiel que CARICOM et Demeter Soupia, il dit lui-même, CARICOM n'a aucun droit, rien qui bat le droit pour lui mettre un conseil qui vous dit qu'est-ce qu'il vous dit d'Haïti. Lui-même a des peuples là pour faire là, faites en les voiles. Qui est-ce qui le dirige? Mais, c'est là, même capable avec nous pour aujourd'hui, là. Je vous dis un gros merci. On parle encore. Passez bon après-midi. On en parle encore demain.
Bye bye tout le monde. Dans maladie, monsieur. Ça veut dire, je dis en là, équipe ça a l'élé, monsieur. Ça veut dire, pour le 21 décembre, il n'y a pas de représentant eux-mêmes. Pour le 21 décembre, oui, il n'y a pas de représentant eux-mêmes. Parce que, il y a une division entre eux là toujours. Ça veut dire, je dis, hein, l'homme dit nous que, moun sa yo, c'est pas affaire pays à régler, comprenez ça, me dit très bien. L'aime si moun sa ou ceux qui bande mesdames coquin yo ye et c'est comprendre très bien samedi et vérité amène l'évangile nous là ceux qui bande coquin et ceux qui bande mesdames Jean Charles Moïse s'est menté que conseil présidentiel sept membres ça qu'a parlé en là li pas passé et pas installé et après-midi qui était mercredi 13 mars dans des îles j'ai dit dans commencement émission grand pile coup de balle qui chantait dans niveau Badelma barbecue mettez bien la tête. Est-ce que barbecue vivent ensemble remettez pio à terre pour de bon ou dis moi est-ce que c'est une façon pour montrer que parce que moun comprendre que ça négotable dit craser système pas dans Ariel comme c'était Ariel qui était problème dans Ariel pas là encore est-ce que tout bagarre tout fini est-ce que c'est ça qui passe quand même ça dit là quelque part que donc je dis en là mais réalité hein et paysan société hein pourquoi on est qui côté le garde parce que États-Unis dit pas dans question Guy Philippe yo ba acteur yo 24 temps pour yo capable décider vous représentant yo et si yo va voyer il a passé dans plan B Ariel Dieu l'a prêté là pour liquider affaire courant jusqu'à ce que gain conseil en lien installé ça veut dire jodi en là ça va le passer dans les cap venir là yo ça va le passer dans le moment qu'a venir là au des Ivenes. En tout cas, les haïtiens c'est eux même qui vous décider, c'est eux même qui vous dit tout, mais sauvez-les pour tête tout. Et ça fait mal moi je dis hein que c'est international qui continue à décider pour nous. Cap dit, il va venir tel, et tel bac à la donne parce qu'il tel si, parce que tel ça. Que donc je dis hein m'vle qu'elle comprenne que c'est soit nous grand monde tête nous c'est soit que nous continuer quitter que c'est blanc qui a décidé pour nous des Ivenes. Blaise pour blanc suspend décider pour nous les besoins que nous ramasser caractère nous les besoins au moins nous mettez position de égocentrique qui ensemble acteur ensemble leader des partis ou peut-être gain parce que moi-même quoi c'est ça qui passait là je dis hein c'est une possibilité pour messieurs Damio Patal soumettre une proposition bien un accord by CARICOM. Je veux dire c'était de CARICOM qui devait marcher venir en Haïti pour venir regarder que gens haïtiens et haïtiens à bail à coulade à couler les épaules ensemble pour résoudre problème que pays a gagné dans faire compromis dans proposition sortie de crise qui gagne là. Songez que CARICOM venait plusieurs fois en Haïti. Mais on nous dit que il pas venu de volonté vraie pour crise en cap résoudre mais on était venu pour bagarre à tarder. Ça permet que Ariel Henry te prenne plus de temps au pouvoir. Et après, c'est pas sans raison que Ariel Henry al Guyana, la ligue de Guyana, où tu as senti que Ariel Henry te senti plus que confortable pour te faire une déclaration devant même M. Dabzayo, qui constitue des regroupements carrés comme nous, pour te dire la faire élection jusqu'à 2025 et 2026 pour te faire passation de pouvoir. Et où après, tu es ensemble, acteur, ensemble représentant qui est dans carrés comme nous, tu es juste un acte de ça. Ça a dit que vous avez senti, c'était une plus bonne décision, c'était une plus grosse annonce que Ariel Henry t'a fait. Vous avez dit la fait élection jusqu'à 2027. Dans le review, c'était by Ariel Henry, plus que un mandat présidentiel que la Constitution reconnaît qui a passé 5 ans sous pouvoir. C'était une position carrée comme dans ça. Je ne sais pas sans raison. Paul Giro Jean-Baptiste, par un diadème, t'a dit retirez Ariel, il y a pas un autre Ariel. Retirez un deuxième Ariel, il y a pas un troisième Ariel. C'est un processus ça. Que quel des Nations Unies, quel des départements d'État, quel des et CARICOM. C'est ça qui a tenté faire là. Il a imposé, il a mis ensemble des critères sur ensemble de monde qui sans doute pas qu'à participer dans le conseil ou bien dans le collège présidentiel qui a parlé. On regarde sous scène politique là. Ensemble de monde qui t'a dit non avec mauvaise gouvernance que Ariel Henry t'a prouvé là. Qui t'a dit non avec ingérence que communauté internationale là, et spécialement les corps groupes, Nations Unies, CARICOM, t'as fait un de la pays. Après, chaque monde, c'est soit groupe expert Nations Unies, t'es
mettez nous yo dans le rapport qui vous avez produit, qui était lié avec Bandi Armé, malgré pas j'en viens avec prévu, les personnes. Et ou après, CARICOM, ou après département d'État, li accentue sur ça. Pour jouer à l'encontre des mouns. Parce que c'est le monde qui cap représenter une pierre d'achoppement pour yon dans le plan qui vous avez, pour yon atterri sur Haïtien, soit pour une fête dans le Qatar. Pour exterminer, pour retirer tout Haïtien qui a vivre là, soit pour mettre en l'autre groupe monde. Mais c'est tout pour retrouver nous. Ou bien ou ouvrir des espaces qui permettent que nous partions quitter le pays. Mais en pile dans Haïtien a fait rebelle, il y a pantan yon pour faire plan livin atterri quand même. Pas A plus B. Que nous voulons, que nous parlons, il y a pantan pour yon faire. Là, tout le monde qui était dans la rue, qui t'a dit non avec ingérence, qui t'a dit non avec le gouvernement Ariel Henry, qui t'a dit non à l'insécurité généralisée qui vient dans le pays. Tu as gagné une sanction qui t'a pris contre ou bien tu as été inculpé dans le dossier assassinat président de la République Jovenel Moïse, ou bien tu as mis dans un rapport qui t'a dit que tu as participé à la corruption dans le pays. Tu vas imaginer? Et il y a des gens qui connaissent qui c'est. Dit clairement que c'est qui Philippe y a besoin. Et en plus, mon nan diaspora, y a même tout y a dit que je dis, hein, payant besoin, on est avec Philippe, qui a caractère, qui peut baisser tête li devant blanc, et qui capable de camper devant blanc, et qui a gardé blanc dans le jet, et qui a dit blanc, mais si, mais ça, selon un peu moun qui nan diaspora, et selon pile haïtien qui en a payé. Hein. Je dis, hein, qui s'est prêt à le passer, le fait que, eh bien, les États-Unis disent clairement Guy Philippe ou pas calant que son conseil ça. Même là, tu as décidé de choisir, même là, tu as décidé de voir nos conseil là ou pas caladan. Qu'on est en ongade, est-ce que Guy Philippe avec équipe conseil déclaration là, y'a pas le changer bataille là, y'a pas prendre une forme bataille pour capable clairement dire que, eh bien, faut que c'est Guy Philippe qui allait dans le palais national? Parce que, pas oublier, qui question installation qui a parlé, ça passe les ça. Ça va passer en un pays. Et on garde une probabilité, on garde une possibilité. Est-ce que si n'a qui des âmes dans main yo, t'as dit clairement que c'est à Guy Philippe yo vle, pas question conseil présidentiel avec l'autre membre, est-ce que ça pral empêcher que conseil présidentiel qui a parlé hein, que li pa ka installé. Faut garder paramètres yo. Faut garder parce que je dis hein, nous pas ka ignorer n'a qui des âmes dans main yo. Mais pour finir sur point ça, pour rentrer avec collaborateur des Ivenes, autorité CARICOM yo, yo bay, acteur politique haïtien yo, 24 temps qui rete, pour yo proposer, ou dimes, pour yo bay,